soit béni. Que Dieu vous bénisse tous. Allons directement dans la Bible. Jean chapitre 1. On va lire un verset. Verset 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Et tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et que dans nos têtes pour un mot de prière. Bénis ces paroles, Seigneur notre Dieu, qui ont été lues. Tout homme peut lire ces paroles et donner sens comme il veut. Mais donne-nous, Seigneur, la pensée qui a été révélée à ce temps de la fin, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions les communiquer à ton peuple ce matin, Seigneur, prenant sous ton contrôle chaque esprit qui est dans ce bâtiment, et que chaque esprit soit sous le contrôle de l'ange, Seigneur, et qu'aucun esprit ne puisse bouger, Seigneur, et que les fils et filles de Dieu puissent entrer en contact avec toi, Père. La Bible déclare que nous amenons toute pensée, Seigneur, captive, Seigneur notre Dieu. Ô Père, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons te recommander toutes choses entre tes mains, et que ta grâce nous couvre tous pour ta gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux ce matin de nous retrouver encore dans la maison du Seigneur, heureux de nous retrouver encore ici à Côte d'Ivoire, à Abidjan. Amen. Nous étions à Yenougou avec Frère Étienne. C'était très glorieux, puissamment glorieux. Amen. C'est simplement la chair qui ne pouvait pas supporter parce que les réunions étaient beaucoup de réunions, trois réunions par jour, et c'est l'inspiration de Frère Charles Akoudjoubi. Nous apprécions ça. Amen. Amen. Vous savez, souvent, ici à l'église, les gens ne veulent pas voyager dans les conventions de l'Afrique, mais si c'est l'Europe, l'Amérique, ils sont prêts à partir. Mais l'Afrique, là, bon, nous comprenons que les frères veulent aller en Amérique se promener un peu, en Europe aller se promener, mais sinon... Et c'est très dangereux, même. Mais les conventions de l'Afrique, ils ne veulent pas beaucoup partir, mais vous ne savez pas à quel moment l'onction sera quelque part où les fils de Dieu seront adoptés. Amen. Que Dieu soit béni. May God be blessed. Je crois que Frère Clément nous fera les points de tous ceux qui donnent les cotisations de 20 000. Mais je crois que la seule chose qu'il peut faire, peut-être, c'est de mettre à jour chaque mois, et peut-être il peut afficher les noms de ceux qui donnent et ceux qui ne donnent pas. Voyez. Je crois qu'il pourra le faire, tu vois, non? Mais sans mettre les montants, tu vois. Tu affiches ceux qui donnent et ceux qui ne donnent pas. Mais ne fouillez pas l'église, parce que nous voulons tous construire notre temple. Ne fouillez pas. Mais c'est comme cela. Vous voyez, lisez bien l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y avait un dénombrement. On pouvait chiffrer, tu vois, non? Ça, c'est les instructions de David. Parce qu'il voulait construire la maison pour son Dieu. Donc, on mettra à jour, on va mettre ceux qui payent, ceux qui ne payent pas, sans mettre les noms. Sans mettre les montants plutôt. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Parce que quand je regarde les comptes, je vois qu'il y a au moins peut-être 600 personnes, n'est-ce pas? Ok. Peut-être l'argent qui est là pour le mois qui vient de qui va passer bientôt, ça n'atteint même pas 2 millions, simplement 20 000 francs. Donc si ça n'atteint pas 2 millions, c'est que ce n'est même pas 100 personnes qui ont donné l'argent. Donc la seule chose que vous pouvez voir, c'est que honte en vous-même. Donc, vous pouvez dépenser l'argent, 20 000 francs, 30 000 francs, donner même à quelqu'un, à ton parent, mais ici c'est l'œuvre de Dieu. Mais le frère va le faire, il va mettre à jour constamment chaque mois. Le frère Omer, je ne sais pas s'il est quelque part, nous faire un tableau, il va mettre, il va afficher. Comme c'est comme ça, au Branham Tabernacle. Merci Seigneur. Mais ne fuyez pas l'église, n'est-ce pas? Ne fuyez pas l'église. Mais rassurez-vous, à partir du mois d'octobre, nous allons commencer la construction. Ça, c'est sans problème.
without nous allons le faire problem, avec vous. Do it with you. Vous savez, et en même temps, nous voulons dire que le temps d'aider quelqu'un à l'église est fini jusqu'à ce que nous finissions la construction. De dire j'ai un problème, non, c'est fini ça, jusqu'à ce que nous finissions la construction. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Que Dieu soit béni. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Oh, glory be to God. Amen. Amen. Souvent, c'est des gens qui ne font rien à l'église et qui parlent beaucoup au nom de l'église. Ils ne font rien. Ils ne donnent rien même. Mais ils ouvrent beaucoup sa bouche pour dire quelque chose au nom de l'église. Ils ne peuvent pas dire quelque chose. Mais néanmoins, nous vous encourageons au nom de Jésus-Christ, avec tout un chacun, sache que c'est son église. Amen. Vous le croyez, n'est-ce pas? Amen. Dieu soit béni. Amen. Nous allons continuer avec le message que nous avons prêché dimanche passé. Je crois que vous avez apprécié frère Stéphane Nguessa mercredi, frère Germain dimanche passé. Que Dieu vous bénisse tous, serviteurs de Dieu. Amen. Et mercredi ici, frère Étienne est venu vous apporter quelque chose de la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dimanche passé, nous disions que ce n'était pas la nourriture des enfants, mais c'était solide. Parce que c'est ce que l'Église a besoin aujourd'hui pour qu'il puisse être bien solidifié. Ceux qui sont là pour la première fois, la seule chose que vous devez faire, c'est de croire à tout ce que nous disons sans comprendre. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens 4, la Bible nous dit que non, le Seigneur descend du ciel avec les cris, la voix et la trompette. Amen. C'est la venue de Jésus-Christ. Et c'est dans cette venue de Jésus-Christ que se trouve un mystère. Quel est le mystère? Le mystère de trois phases. Lorsque l'épouse va trouver l'affection fraternelle, la sainte décence et la place à Christ, c'est alors qu'il va appeler d'autres pour qu'ils puissent venir jubiler avec elle. Lorsque cette femme va trouver ces trois choses sacrées. Amen. Et le message ce matin, la voie finale pour l'âge final. Il aura normalement sur la terre le peuple de Dieu sur la terre. Amen. Maintenant, l'inspiration, dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Ça, je l'ai trouvé sur R Côte d'Ivoire lorsque nous partions à Lagos dans un livre. Il y a quelqu'un qui avait écrit, dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Et là, il y a une inspiration pour nous. Amen. Ce matin. Amen. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Amen. Amen. Rassurez-vous que tout ce que Dieu a dit au commencement, c'est qu'il avait pensé. Et tout cela, ça, c'était matérialisé. S'il ne pensait pas, il ne pouvait pas matérialiser quelque chose. Parce qu'il devait d'abord penser et après il devait le confesser. Et tout ce qui était dans sa pensée, c'est ce qu'il avait confessé. Et rassurez-vous qu'aussi qu'en ces moments-là, amen, lorsque Elohim était seul, il n'y avait même pas le diable. Il n'y avait même pas la maladie, il n'y avait même pas les cancers, il n'y avait même pas les tumeurs. Elohim était seul avec ses pensées. Amen. Et ses pensées sont éternelles comme lui-même il est éternel. Et un jour il a prononcé, et quand il est devenu le Logos, il a prononcé ses pensées. Et ses pensées sont matérielles. Amen. Mais si le péché, la maladie existait un jour, c'est pour que Dieu puisse manifester sa gloire et sa puissance. C'est le but pour lequel le diable est sur la terre, pour que Dieu, qui t'a créé à son image, puisse manifester sa puissance, sa gloire, sa guérison et toute sa nature divine. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire. Amen. Amen. La Bible dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Amen. Malachi 4 dit dans l'homme intérieur, il dit, paragraphe 19, est-ce que vous, voyez, vous êtes-vous déjà imaginé qu'à l'intérieur de votre corps, il y a un autre homme? Amen. Savez-vous qu'il y a un autre homme à l'intérieur de votre corps? C'est cet homme esprit
It is the spirit man. Avez-vous déjà pensé, frère, de voir que oui, et que celui qui est ici dedans, l'homme intérieur, eh bien cet homme intérieur, s'il vient de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de votre être, et mon doigt ne pourrait pas bouger sans que quelque chose le fasse bouger. Il est actionné par une intelligence ici, voyez, car la pensée d'une façon subconsciente, si peut-être l'idée de me venait d'aller, voyez, je ne suis pas obligé d'y penser, ça semble tout simplement bien, voyez. Mais maintenant, si vous êtes très malade, j'aimerais que vous saisissiez ceci avant que je lise les Écritures. Amen. Il y a un homme à l'intérieur de vous. Si vous pouvez vous imaginer qu'il y a un homme à l'intérieur de vous. Amen. Les maladies et les afflictions. Paragraphe 50, il dit, il y a un autre homme à l'intérieur. Amen. Qui est l'homme de la foi? Il y a un homme à l'intérieur de vous, et cet homme, c'est l'homme de la foi. C'est pourquoi cet homme de la foi, voyez, dans votre corps, il y a les yeux, voyez, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a le toucher, voyez-vous, dans l'homme intérieur, il y a cinq sens, l'imagination, les raisonnements et autres, cinq. Mais il y a un autre homme à l'intérieur de l'intérieur qui est appelé l'homme de la foi. Et l'homme de la foi aussi a un sens. Amen. Et ce sens-là, c'est le sens de la foi. Gloire soit rendue à Dieu. Pouvez-vous imaginer que Dieu dise de la Bible que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises? Bon, pouvez-vous penser que Elohim Dieu est en train de parler de vous, vos oreilles ici? Je peux dire non. Oh my God. Alléluia. Glory. Glory. Alléluia. Pouvez-vous penser que Elohim Dieu est en train de parler de vos yeux ici? Parce que cela est la volonté permissive. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons lu ceci dimanche passé avant que je ne voyage. La question réponse numéro 3, 105. Malachi 4 dit, lorsque cette conscience intérieure, voyez, ici, c'est à l'intérieur là. Ici, ça, c'est l'extérieur. C'est ici, à l'intérieur, que la vérité est révélée. La vérité n'est pas révélée dans votre esprit, n'est pas révélée non plus dans votre corps, mais les vérités sont révélées dans votre homme, à votre homme intérieur appelé l'âme. Alléluia. Ici, à l'intérieur, c'est à l'intérieur que la vérité est révélée. Ici, à l'extérieur, c'est le raisonnement. Donc, à l'extérieur, il y a votre esprit. Et à l'extérieur encore, il y a d'autres cinq sens, la vie, le goûter, la vie, l'odorat et autres. Mais à l'intérieur se trouve l'homme intérieur. Vous pouvez vous asseoir ici. Amen. Vous pouvez vous asseoir ici. Mais tu ne comprends rien de ce que nous prêchons. Et c'est là où est basée la prédestination. La Bible déclare qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Et là, il y a l'élection. Et l'élection regarde en arrière vers la préconnaissance de Dieu. Là où il n'y avait même pas le diable. Là où il n'y avait même pas de maladie. Là où il n'y avait rien, il n'y avait que la perfection de Dieu. Et c'est là que nous étions, le fils et fille de Dieu. Alléluia, c'est là que l'inspiration d'Elohim a explosé dans la vie des croyants. Alléluia, il n'y avait même pas le péché même. Alléluia, c'était la perfection de Dieu. Et c'est à l'intérieur. Et la Bible dit, Proverbe déclare, il a mis dans leur cœur les pensées de l'éternité. Soit que l'homme ne puisse réaliser ce que Dieu est en train de faire, mais peu importe, mais s'il ne réalise pas, mais un jour il va réaliser. Mais parce que Dieu a mis dans leur cœur les pensées de l'éternité, parce qu'ils étaient éternels comme Dieu est éternel. Alléluia. Et un jour la mère aigle a commencé à sillonner les cieux. Il a commencé à crier, et te voilà ici sur la terre, dans une église du Saint-Esprit. Si vous voulez aller au ciel, cherchez une église du Saint-Esprit. Vous vous asseoir. Voyez, si c'est à l'intérieur de l'intérieur que les vérités sont révélées. Paragraphe 110, il dit, nous ne sommes pas la parole, pourtant nous sommes la parole. Oui, comprenez-vous cela maintenant. Jésus n'était pas Dieu, pourtant il était Dieu. Amen.
Alléluia. Paragraphe 112. Il dit maintenant, comprenez-vous, nous ne sommes pas. Nous sommes des messiettes. Mais pas ce Jésus-là. Lui, il est notre Père. Nous, nous sommes seulement loin de son esprit. Et voilà pourquoi sa vie. Et cela trouble des gens. Pourquoi ça trouble des gens? Parce que voici un ministère sur la terre. Tellement identifié avec Jésus-Christ. Quand quelqu'un regarde la Bible, il voit la vie qui était en Jésus-Christ sur la terre, le Fils de l'homme. Et il voit cela dans un homme appelé Malachi 4. Il dit non, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est là. Il est Jésus. C'est là que ça arrive un problème de séparer. Vous devez en séparer votre Créateur et celui que le Créateur utilise comme un signe pour vous montrer ce que vous devez être dans les jours à venir. Parce que vous devez arriver à déclarer, moi et mon Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pouvez-vous vous asseoir. Voyez, frère, 113. Et vous voyez, sa vie s'est partagée le jour de la Pentecôte. Lorsque cette colonne de feu descendit, elle se divisa en forme de langue de feu. Elle se posa sur chacun d'eux. Dieu se divisa parmi son peuple. Parce que l'Église et Christ sont un. Tout comme l'homme et la femme sont un. Glory. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. La charité, la pierre de fête d'amour. Frère Coleman, j'ai toujours avancé par la foi. Et je prêche par la foi. Et je vis par la foi. Parce qu'à l'intérieur se trouve un homme appelé la foi. Et cet homme appelé la foi a un sens. Vous vous asseoir. May be seated. Amen. Amen. Voulez-vous dire que cet homme you qui à l'intérieur a des yeux, man, a une bouche, a des oreilles, eyes, c'est ce que je prêche maintenant. C'est ce que je suis en train de vous prêcher. Oh, alléluia. Oh, glory. Oh, amen. Amen. Voilà, amen. Parce que la foi, regarde et regarde le futur. Et il a des lunettes à longue portée. Il voit l'enlèvement. Il voit le millénium. Il voit l'éternité. Ça, c'est la foi. Et la foi ramène cela en délicatif présent. Et voilà, nous pouvons dire quel est le message de l'heure. La foi est. Oh, alléluia. L'espérance te montre des choses qui peuvent arriver. L'espérance. Tu peux espérer beaucoup de choses. Mais la foi est. Regarde le futur et le ramène au temps présent. Alléluia. La foi te dit tu es guéri. Mais l'espérance te dit tu seras guéri. Mais la foi te déclare, tu es déjà guéri. Vous asseyez. J'ai toujours avancé par la foi. Et je prêche par la foi. Je vis par la foi. Je marche par la foi. Gloire à Dieu. Par la foi, j'ai la victoire. Par la foi, je cherche une ville dont l'architecte et le constructeur est Dieu. C'est une marche de foi. La foi est la victoire. Si jamais vous accomplissez quelque chose pour Dieu, ça sera par la foi. Non pas parce que vous pouvez voir et sentir, mais par la foi. Alléluia! Glory! Pouvez-vous asseoir, frère Coleman. Vous dites qu'il est ici. Vous dites qu'elle est ici. Par la foi, je le dis. Vous dites que Michael est ici. Par la foi, je le dis. Et vous allez le voir. Par la foi, je déclare que Michael est ici. Mais vous le verrez un jour. Parce que quelqu'un doit le parler. Et cela va arriver un jour. Même si vous ne le voyez pas. Mais que par la foi. Pouvez-vous vous asseoir. Parce que vous. Nous prêchons les promesses. Et les promesses, quand vous les prêchez, les promesses ne sont pas là comme ça. Vous ne le voyez pas. Mais quelqu'un doit se tenir là pour prêcher les promesses, croire les promesses. Et quand vous les parlez par la foi. Et quelqu'un doit les croire aussi par la foi. Il y a trois choses. La foi, l'espérance, la charité. Alléluia. Mais rassurez-vous,
que la charité sera connectée avec la foi. One day, la charité sera connectée avec la foi. Un jour, la charité va confirmer la foi. Que quelqu'un dise amen. La charité confirmera la foi. Parce que vous venez de la charité. Vous retournez à la charité. Un jour, la charité confirmera la foi. Mais quelqu'un doit déclarer, je suis racheté, je suis béni. Est-ce que tu as du travail? J'ai le travail. Mais un jour, le travail sera là. Frère Coleman, vous dites qu'il est ici. Par la foi, je l'ai dit. Comme je l'ai toujours dit, je l'ai dit par la foi. Et puis cela arrive au temps présent. Je l'ai dit par la foi. John saw it. Il n'y a qu'un qui s'est tué parmi vous. Mais il n'était pas là. Il a dit, un s'est tué parmi vous. Mais un jour, le un là est arrivé, appelé Jésus de Nazareth. Et le lendemain, il est arrivé. Mais ce jour-là, il y a un qui se tient au milieu de vous. Et aujourd'hui, la pierre de fête d'amour est ici. Dieu est sur le point de manifester des fils ici. Je vais dire des fils nés, des véritables fils, des fils remplis, non pas des fils paresseux qui ne louent pas Dieu. Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas des fils qui sont là chargés des promesses. Et qui ont eu des batailles d'esprit. Mais je parle de fils qui sont sur le champ des batailles. Et qui sont sur le champ des batailles. Et qui sont abattus. Mais qui se relèvent. Frère, ne condamne personne dans ta vie. Tout au long de ta vie sur la terre, si tu as eu un esprit d'être grand, oublie cela, tu n'es rien. Ne condamne personne dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh glorie. Ne condamne personne. Même si tu vois un frère ici à l'église a fait quelque chose de faux, prie pour lui, ne le dis à personne. Même si tu es marié, tu as vu un frère commettre quelque chose de faux, ne dis pas à ton mari. Comme vous me voyez là, il n'y a rien que je peux dire à Joadan. Rien. Je dis rien, elle est là. Et elle aussi ne peut pas avoir les connaissances et me dire quelque chose. Jamais de la vie. Parce que je suis un prédicateur de l'évangile. Je dois prêcher par inspiration divine. Je ne peux pas vous prêcher ce que ma femme me dit. Ça sera un témoignage, que ça sera satanique. Qu'elle est rachetée 10 amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous êtes prêts à écouter l'évangile ce matin? Dieu est sur le point de manifester des fils qui sont abattus, des fils qui sont dans les champs de bataille, pas des paresseux, pas celui qu'on veut toujours transporter pour devenir frère. Non, mais c'est des fils qui sont prêts, qui sont sur le champ de bataille, qui ont reçu des coups de Satan, mais qui se relèvent. Tu vois un frère un jour, il marche, il tombe. Mais tomber là ne touche pas à la sémence. Mais il y a la sémence à l'intérieur qui va lui dire, relève-toi. Les légalistes n'ont pas de méchants comme cela. Ça les énerve. Parce que les légalistes sont des pécheurs en secret. Mais ils seront dévoilés par le mystère de sept sceaux. Je parle de fils qui sont sur les champs de bataille, qui sont abattus, mais qui se relèvent. Gloire à Dieu. Même s'il m'a battu 1000 fois, eh bien, il se relève pour la bataille. Amen. John est revenu. Il a été abattu 1000 fois. Mais il est là aujourd'hui en train de crier et de louer Dieu.
Oh, praise God, amen. Et si je pense que peut-être le problème, je crois qu'il y a un problème ici. Ceci est Christ, la pierre de fête, la pierre de principal de l'âme. Ceci aussi, le Saint-Esprit. Et ceci aussi, la pierre de fête, la pierre de tête. Toutes ces choses ici, ceci est Jésus-Christ céleste. Ceci est Jésus-Christ terrestre. Qui est Jésus-Christ céleste? L'espace arc-en-ciel. C'est le ministère de Jésus-Christ. Et c'est ce ministère de Jésus-Christ qui, oh, alléluia. Amen. L'église doit arriver là pour aller à l'enlèvement. Pour vous asseoir. Amen. Pour vous asseoir un moment. Amen. La Bible dit, the Bible said, glory, l'homme intérieur qui se renouvelle. Amen. C'est là où se trouve la prédestination, la semence de la perfection. Et cette semence a été parlée par Malachi 4. Et nous bénissons Dieu. Il y a un écho qui est venu. Amen. Et qui a insisté à semer ces semences en vous. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez, quelqu'un? Praise God, amen. Amen, amen. Et nous faisons l'écho. Alléluia. Et nous continuons. Parce que ces semences, ce n'est pas la semence de l'homme. Ces semences, c'est la perfection. Ces semences, c'est la parole pierre de fête qui est déjà en vous. Le fait de venir dans cette église et de dire amen à la parole de Dieu, il y a quelque chose en vous. Et bien que les sens ne peuvent pas, que ne peuvent pas parler parce que les sens sont au-delà. C'est à l'intérieur de l'intérieur que Dieu révèle sa parole. Et à l'intérieur de l'intérieur se trouve un homme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait dans le livre des Corinthiens, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Mais je trouve en moi qu'il y a deux lois. Il y a deux lois en moi. Il y a des lois de l'homme intérieur. Alléluia. Qui est contraire à la loi de l'homme extérieur. Mais gloire soit rendue à Dieu. Qui me délivrera moi? Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Et cet homme intérieur de l'intérieur, c'est appelé l'homme spirituel, l'homme esprit. Merci Seigneur, pour vous asseoir. Et l'apôtre Paul, gloire à Dieu. Malachi 4 dit, voici le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire tout. Le seul vrai Dieu, la foi et la parole de Dieu, la réalité, la vérité est proche. C'est glorieux d'être dans l'esprit. La foi et la parole. Alléluia. Et à l'intérieur de toi se trouve la foi et la parole de Dieu. Et ce de parole qui est à l'intérieur deviendra la foi. Vous vous asseoir. Éphésiens 4, verset 4. L'apôtre Paul dit, et a revêtu l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la foi, la vérité. L'homme nouveau, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Vous pouvez imaginer qu'en vous il y a un être à l'intérieur. Dans Colossiens 3, 10, il dit, et a revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau qui est à l'intérieur de l'intérieur. Oh, glorie. Éphésiens 1, 18, il dit qu'il puisse illuminer les yeux de votre cœur. Mais vous dire que dans le cœur il y a les yeux. Qu'il puisse illuminer les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Qu'il puisse illuminer les yeux de votre cœur. Cet être a des oreilles, cet être a des yeux. Alléluia. D'Apocalypse, il dit, alléluia, alléluia. Béni soit celui, béni soit, béni soit, béni soit. Que celui qui a des oreilles attende. C'est à l'intérieur de l'intérieur que les vérités sont révélées. Et c'est là qu'il y a des outils, là qu'il y a des amens. C'est là que les vérités sont révélées. Deux sont dans un lit. Dieu prend un, Dieu laisse l'autre. Allez, ils sont dans une même église. Quelqu'un reçoit la révélation, d'autres ne reçoivent pas. Parce que c'est la prédestination. Qu'il puisse illuminer les yeux de votre cœur. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Vous n'êtes pas en retard.
of your heart for you to understand. You are made. Vous êtes des fils parole parlée. You are spoken word. Dans Colossiens 1, verset 7, il dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérant de la gloire. Christ en vous, il y a une gloire qui t'est réservée, qui sera glorifiée. Alléluia. Au prince carré. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans Galates 4, 19, mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà de quoi il parle ici, de l'image parole. Et frère Coleman peut prêcher une prédication. La formation de l'image parole. Alléluia. Et amen, frère Branham dit que chaque ministre de l'évangile a trois poules. Alléluia. Et nous voulons encore maintenant donner encore dans vos cœurs que chacun de vous aussi a trois phases. Dites amen, jeunes gens. Pour que ces choses, pour que cet homme puisse se manifester dans votre vie. Alléluia. Il commence par l'affection fraternelle. Le miel, le miel. Parce que personne ne peut pardonner s'il n'a pas été avant le commencement, là où Satan n'existait pas. Alors, et le pardon, c'est une puissance qui libère quelqu'un. Peu importe ce que l'homme t'a fait, tu pardonnes. Peu importe, parce que tu n'es pas un homme de cette terre. Il y a l'homme appelé la foi qui est à l'intérieur. Et cet homme appelé la foi, alléluia, alléluia, lui il pardonne. L'affection fraternelle, la sainte décence et la place en Christ. Trois poules. La croissance de cet homme intérieur. The growth of this inward man. Ça, ce n'est pas du petit lait. This is not a little meat. Ça, c'est de la nourriture solide. This is a solid. Ça, ce n'est pas où je crois en Jésus, non. C'est au-delà. Ce n'est pas je crois le message, non, c'est au-delà. Et chacun vit d'expérience en expérience. Il sait de quoi il parle. Alléluia, ce qu'il dit, c'est ce qui est en lui-même. Il ne dit pas des choses qui viennent de l'extérieur. Il prêche des choses qui sont en lui-même. Il n'est pas un théologien. Il prêche ce qu'il vit. Je peux répéter, frère Branham, ça ne vous fera rien de bien. Je peux répéter, frère Coleman, ça ne vous fera rien de bien. Mais quand je vous prêche ce que je vis, vous serez bénis, ouin, guéri, délivré, racheté, ouin. Que les rachetés disent amen et amen. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes enfants, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Christ en vous, l'espérant de la gloire. Et c'est Christ qui est en vous, l'homme intérieur. Alléluia. Cette sémence, je de perfection. Presque à l'émen. Alléluia. Glorie. Glorie. Les choses qui doivent être. Malachi 4 dit, le baptême du Saint-Esprit, c'est un don temporaire. Alléluia. C'est un don temporaire. Mais le véritable sémence qui est à l'intérieur, c'est de cela que je prêche ce matin. C'est de cela que je prêche ce matin. Il dit le baptême du Saint-Esprit, c'est un don temporaire. Alléluia. Mais je prêche cette sémence qu'aucun démon ne peut écraser. Parce que cela la prédestination. Il a mis dans leur cœur les pensées de l'éternité. Manger ou pas manger, s'habiller ou pas, ami ou pas ami, je veux que ces choses soient en moi. C'est une vie, c'est un être qui est en train de se former dans un monde spirituel. Alléluia. Yes, sir. Oui, monsieur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Il y a un mystère. There is a mystery. Qui se trouve. There is a mystery. Dans le Saint-Esprit. That resides in the Holy Spirit. La
Pourquoi Paul dit ici, this is why Paul said dans le livre des Colossiens, in the book of Colossians, il dit quelque chose de profond. Is it something deep? Ore. Is it something Amen. Deep? Amen. Dans Colossiens 1, 28, il dit, in Colossians 1, 28, c'est lui que nous annoncions. In Colossians, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Whom we preach, Christ in you, il dit Christ the hope en glory. Vous, l'espérance de la gloire. The hope of glory. C'est ce Christ qui est en vous que tu it vas aller annoncer. Christ in you that you go and preach. Whom you will preach about. Je n'ai pas entendu un amen. I did not hear any amen. Non, je n'ai pas entendu un amen. I did not hear any amen. Je répète. I repeat. Christ en vous, l'espérant de la gloire. The hope of glory. Paul dit, Paul says, c'est lui que nous annonçons. Whom we preach. Je n'entends pas un amen ici chez les jeunes gens. Je répète, Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est lui que nous annonçons. Whom we preach. Quand tu parles du message à quelqu'un, sans que Christ soit en toi, je te conseille de fermer ta bouche. Tu feras trop de scandales que de faire du bien. You do many wrong than good. Peux vous asseoir. Maybe seated. Il y a un frère ici à l'église. Son évangile, c'est d'aller, il prend une femme dans le monde, il couche avec elle. Après avoir couché avec elle, il lui envoie à l'église. Il va encore, il couche avec un autre, il l'envoie à l'église. Il va encore troisième, il l'envoie à l'église. C'est son ministère. This is his ministry. Amen. Amen. Paul dit, Paul said, Christ en vous, Christ in you, l'espérant de la gloire. The hope of glory. C'est lui que nous annonçons. Whom we quand tu vas parler à quelqu'un, tu lui parles de ton témoignage. When you are speaking to somebody, you speak. Et c'est son témoignage. C'est ton témoignage qui va l'envoyer ici. That will bring that person you. Alors je peux dire à tous ces jeunes gens, lorsqu'il y a quelque chose dans ta vie, tu vas parler à quelqu'un. Nous n'aurons même plus de place pour mettre les gens ici. Lorsque les gens auront l'expérience, ils vont faire des bruits. Je peux entendre un amen? Vous le croyez ce matin? Je crois que ce frère que j'ai parlé de lui ici, peut-être qu'il est dans la salle. Peut-être, je lui ai dit le jour là, j'ai dit que Dieu ne t'a pas envoyé pour faire un ministère comme ça. God did not send you to do such a ministry. Il voulait tomber par terre. He wanted to ce n'est pas tomber down. Par terre qui est le problème. Down, that is the le problème, c'est que est-ce que tu es prédestiné pour l'enlèvement? Are you predestined for the rapture? C'est ça la question. C'est ce que je prêche ce matin là. Ce n'est pas du lait. C'est la nourriture solide. Est-ce que tu es prédestiné pour l'enlèvement? N'es-tu pas en train d'accomplir une écriture? Are you not fulfilling a scripture? Les fils de la rébellion. That's the sons of rebellion. L'apôtre Paul dit, celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait à Christ. Écoute, listen. C'est à quoi je travaille. We also labor, en combattant avec sa force according to his qui agit puissamment à moi. Which worketh il dit avec me, la force qui agit puissamment à moi. La force with, ici, c'est une vertu. Strength, in me, and that strength here is a virtue. Et il déclare que c'est par la foi that is by sauvé. Faith that you save. Et ajoutez à votre foi and une force, faith, une strength, puissance. A power. Et la vertu, c'est une puissance. And virtue is a power. Et Paul dit, and Paul said, par la force qui agit en moi, c'est through, une puissance. Through the strength, c'est une vertu. That work in me is a power, is a virtue. Glory.
Gloire. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Glory. Glory. Malachi 4 disait. Malachi 4:1. Amen. Amen. Il disait de la sortie de l'homme parfait. He's in the stature of il dit, ah, paragraphe 159. Il dit, avant que vous puissiez distribuer la vertu, vous devez l'avoir. Avant que vous puissiez distribuer la vertu, vous devez l'avoir. Vous devez l'avoir. Avant de distribuer la vertu, vous devez l'avoir. Paul dit ici, avec la force qui agit en moi, je sais qu'il y a quelque chose qui agit en moi. Mais vous ne pouvez pas distribuer la vertu sans d'abord l'avoir première. Vous devez l'avoir. Vous devez l'avoir. Quelqu'un peut dire amen. Can somebody say amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Avant de distribuer la vertu, vous devez l'avoir. Alléluia! C'est une expérience. Vous avez l'expérience de la foi. Et la foi, c'est une victoire. La foi, c'est le salut. C'est une révélation personnelle que tu es sauvé. C'est une expérience. Et la vertu, c'est une puissance. Je me rappelle en 1992. Avant 92, je prêchais des choses surnaturelles. Pour l'appeler surnaturel parce que c'était le message de Malachi 4. Mais avec des interprétations, comme nous pouvons l'avoir appelé si souvent. Je dis souvent à mes amis dans l'inspiration que beaucoup de gens qui sont dans l'inspiration ne sont pas passés par les six sous. In the inspiration did not come through the six sins. Au gloire. Amen. Amen. Yes, sir. Oui, monsieur. Amen. Mais un jour, je suis parti dans une convention à Pointe Noire. Seigneur, sauve-moi. Fais quelque chose dans ma vie. Do something in my life. Et au sorti de cette convention, c'était une expérience jamais vécue dans ma vie. En 1982. Je ne sais pas qu'est-ce que quelqu'un peut changer dans ma vie. Personne. C'est une expérience personnelle. Mais rassurez-vous que j'avais des amis avec qui nous prêchions la même chose. Et après ce jour-là, on est resté amis, mais chacun a sa manière de prêcher. C'est une expérience personnelle. Glory! Vous devez rentrer en contact avec quelque chose dans ta vie qui fera en sorte que rien au monde ne peut te dissuader. Dites amen, jeunes gens. Après cette expérience, il y a eu des guérisons surnaturelles qui étaient opérées par mes mains. Il y a eu des morts ressuscités. Et je prêchais ces choses surnaturellement. Ça suscitait dans les cœurs des croyants la foi. Malachi 4 déclare le baptême du Saint-Esprit, les guérisons, les miracles, c'est ce qui donne à l'église la foi. Je me rappelle un frère, il voulait manger la mangue n'était pas mûre. Il dit, je vais te manger. Et la mangue est devenue mûre. C'était des choses surnaturelles. Alléluia. Gloire. Vous devez avoir une expérience surnaturelle. Plus tard, Dieu m'a donné un message sous forme de rêve. Après cette gloire, je devais rentrer dans un trou noir. Alléluia. Et traversant ce trou noir et sortir dans une forte lumière. Gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Personne ne peut m'en dissuader. Et ce que je te dis, c'est ce que tu dois expérimenter. Chacun doit parler de ce que Dieu fait dans sa vie comme une expérience surnaturelle du salut. La vertu, c'est une puissance. Vous devez alors joindre à votre foi la vertu. Est-ce que vous comprenez? Joignez à votre foi la vertu. Fais-moi grandir dans ceci, ô Seigneur. Que Christ soit ma tête. Que cela agisse à travers moi. Sur le fondement de ma foi qui est en lui. Que la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle agissent en moi, ô Seigneur. C'est ma prière. Peu importe que je vive ou que je meure.
quoi qu'il advienne, dénomination ou pas dénomination, ami ou pas ami, que cela agisse en moi, que la vertu de Christ, sa connaissance, s'écoule afin que je puisse enseigner les autres. Vous voyez que la connaissance, la foi, la connaissance et la vertu vient de lui. Je peux attendre un amen. En Égypte, alléluia. En Égypte, les gens étaient à l'intérieur, le peuple d'Israël, et le sang était sur le linteau. Le sang qui était sur le linteau, c'était quelque chose de visible que tout homme qui passait voyait. La foi, la connaissance et la vertu sont à l'intérieur, données par Dieu. Mais ce qu'on voit à l'extérieur, la patience, la piété, l'affection fraternelle, gloire, ça les gens le voient à l'extérieur. Alléluia. Les gens voient ces choses surnaturellement à l'intérieur. Mais donne-moi ces trois choses, Seigneur, pour que je puisse enseigner les autres. Parce que si je n'ai pas ceci, je suis un tambourin, je suis un fanfaron, je suis rien. Que les rachetés disent amen. Tu dois avoir ces choses en toi pour parler du message à quelqu'un. Et c'est une croissance. Vous asseoir. You may be seated. Glory. Wow. Amen. Si Dieu a donné au canal, if God gave, au canal, assez de bon sens pour savoir échapper au froid, le guide du 198. Si le canal peut faire ça avec instinct, quand il y a du Saint-Esprit dans l'église, what about the Holy Ghost, il devrait nous conduire loin des vieilles formalités et des credos et tout, jusqu'à dans les baptêmes glorieux et merveilleux Saint-Esprit. C'est ce qui produit la vertu, la connaissance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. C'est à cela que conduit, que conduira le vrai guide. Parce qu'il ne sortira pas de sa bouche rien d'autre que l'évangile, que la parole de Dieu certainement. Vous avez besoin du guide. Vous avez besoin du guide. Vous avez besoin du guide. Oh, glory. Est-ce que vous le croyez, épouse? Le merveilleux Saint-Esprit. Oui, c'est mon devoir et c'est de votre devoir de vous repentir. C'est votre devoir d'être baptisé. Ensuite, c'est le devoir du guide de s'occuper de vous pour le reste du chemin. De vous conduire de la vertu à la connaissance, à la tempérance, à la piété, à la patience, à la piété, à l'affection fraternelle au Saint-Esprit, et il vous scelle. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous, frère. Asseyez-vous. Le ministère de Jésus-Christ est identifié très clairement. Maintenant, vous n'entendez pas beaucoup de ministres ou de croyants dans ce message mettre l'accent sur ce point. Vous savez, c'est tonnerre, le baptême du Saint-Esprit, l'adoption, la perfection. Il n'y a pas beaucoup qui mettent l'accent là-dessus. Ils disent, nous sommes dans le message. C'est en ordre. Mais qu'est-ce que le message? Si vous savez ce que c'est, il a tonné en vous. Puis Dieu, vous allez à l'intérieur, mettra l'accent sur ce point. God being formed in the inside will emphasize on it. Merci, frère. It is very new. La perfection. Perfection. L'adoption. Adoption. Glory. Wow. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Amen. Le ministère de Jésus-Christ est identifié. L'écrit appelle trois sortes de croyants. L'écrit appelle trois sortes de croyants. Mais cette voix élue peut déjà la voix de l'archange. Pourquoi? Il entre discrètement. La charité est ici. Mais la charité rentre discrètement. Il se déguise. Comme la vertu puissance pour le service. Vous voyez? Vous voyez? Et il s'agit de la première étape. Yeah, about the first step. Et elle est ici pour vous former. And it is easier to form you. Elle est ici pour vous instruire. It's here to instruct you. Elle est ici pour vous amener jusqu'au bout. It's here to take you all the way, all the way long. Puis la charité attend que la vertu atteigne le but. As charity get home. Et la charité peut attendre. Allons, gloire. You. Come on. Et la foi, and then the faith, qui vient de Dieu qui est en vous, and then the faith coming from God in you, qui vous sauve, that saves you. Et la vertu, c'est une puissance, and virtue is a power, pour soulever le bâtiment, to rise, to lift the building.
Il est appelé aussi le baptême du Saint-Esprit. It's also called the baptism of the Holy Spirit to lift up the building. It's called the baptism of the Holy Spirit. Et il y rentre discrètement. And then he came in secretly. Et il continue son travail. And then he keep on with his work. Et toi à l'intérieur, tu sais ce qui se passe. And you in the inside know what's happened. What's happening? Glory. Wow. Praise. Regardez Jésus répandait la vertu. Jesus was giving out virtue. Look. Jésus revêtu de la puissance. Porting Jesus and clothed with power and virtue, going back to Galilee after being baptized, the Holy Spirit came down as a dove, but was not yet. Matthew 17, what Matthew 3. Marc 5:30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. That a strength came out of him. Il se retourna au milieu de la foule et dit : qui a touché à mon vêtement ? Say, who touched my garment, the Luc 6:19. C'est le mot dans le grec qui signifie puissance. This et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force est sortie de lui qui guérissait tout le monde. C'était une dynamique. Qu'est-ce que la dynamique ? Alléluia. Alléluia. Que ferons-nous de ce Jésus appelé Christ ? La dynamique de cette église, ce sera un réapplissage de ce que vous avez reçu dans une faible mesure. Et un réapplissage, c'est un autre baptême. C'est de baptême à baptême. Mais pour faire quoi ? Pour construire l'homme intérieur. Alléluia. Vous devez arriver à une foi. Une foi vivante. Alléluia. Une vertu vivante. Une connaissance vivante. Vivante, c'est réel. C'est réel. Une connaissance réelle. Tempérance, c'est réel. Patience, c'est réel. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas une doctrine. C'est quelque chose que tu sais. Ce sera les trois phases qui sont à toi. Soit de te former, soit de agir. Les trois poules. Glory. Alléluia. Étape par étape. Étape par étape. Mais tu sais ce qui arrive dans ta vie. Tu sais ce qui arrive dans ta vie. Glory. Et au milieu de tout cela, c'est la foi qui manipule toutes ces choses. Frère Paul, tu nous prêches quoi? C'est ce que j'ai toujours prêché. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est l'ancien évangile. It is the old time gospel. La dynamique de cette église, ça sera un nouveau remplissage. Glory, mais d'abord c'est la vertu. Il descend, il se déguise comme la vertu puissance. Quand tu marches, tu as une foi vivante, une connaissance vivante, une vertu vivante, une tempérance piété vivante, réelle. Peu importe le problème, tu connais là où tu te trouves. Une affection fraternelle vivante. Peu importe, quelqu'un peut t'offenser, mais tu sais qu'il n'y a rien. Personne ne peut me faire du mal plus que ce qu'on a fait à Jésus, mon Seigneur. Tu pardonnes simplement sans vouloir savoir pourquoi il a dit ça. Pourquoi tu as dit ça? Je veux savoir. Ça, c'est manque du pardon. Je veux savoir pourquoi tu as fait ça. Tu n'aimes pas ma famille. Ça, c'est manque du pardon. Peu importe qu'on critique ta famille, ta femme et tes enfants. Ça n'a rien à voir. Tu es né pour ça. Est-ce que quelqu'un peut dire au Hosanna? Praise God, amen. Alléluia. Peu importe comment quelqu'un peut prêcher sa doctrine, tu es prêt à l'aimer. C'est ce qui est dans son cœur, mais il n'est pas ton ennemi. C'est sa manière de voir. Mais toi, tu as ta manière de voir. Alléluia. Frère Branham dit, un homme qui est spirituel peut supporter celui qui est en erreur. Est-ce que je peux attendre Hosanna quelque part?
Pouvez vous asseoir, jeunes gens. Chapitre 1. John chapter 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Là, Jésus, ce jour-là, est en train de prêcher le mystère d'Elohim et le mystère de Logos. Il a prêché le mystère d'Elohim et que Satan n'existait même pas dans la perfection de Dieu. Que vous étiez des fils attribués de lui son esprit avant le commencement. Que vous venez de cette charité, c'est là où tirez votre orgie. Que vous étiez en Dieu avant le commencement. Et en ce moment-là, il n'y avait même pas les cancers, il n'y avait pas les tumeurs, il n'y avait pas le sida, il n'y avait pas la stérilité, il n'y avait même pas Lucifer lui-même. Et vous étiez là. Vous étiez là. Vous étiez un homme esprit. Alléluia. Vous étiez un homme esprit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Vous étiez une partie de cette divinité. Alléluia. Il n'y avait même pas encore Lucifer ni les cancers, mais vous étiez là. Il a dit à Job, où étais-tu quand les étoiles du matin poussaient des cris de joie? Où étais-tu? Dieu, son message qu'il a apporté pour délivrer Job, il n'est pas venu avec un message pour lui dire Job, tu as péché, Job, tu es méchant, Job, tu es ceci. Il est venu avec le message de l'éternité. Où étais-tu quand les étoiles du matin poussaient des cris de joie? Alléluia. Tu étais une étoile du matin. Tu étais une pierre précieuse. Tu étais le fils attribut de son esprit. Et Job a regardé. Ça a explosé. Ça a explosé. Et Job a crié. Je sais que mon rédempteur est vivant. Je sais que mon rédempteur est réel. Et dans ma chair, je le verrai. Personne et personne et personne ne peut détruire Satan s'il n'était pas avant Lucifer. Let me repeat again. Personne, personne ne peut chasser Satan ni le détruire si tu n'étais pas avant le diable. Presque carrément, j'étais avant Lucifer. Presque carrément, dans la perfection de Dieu, il n'y a même pas le péché, il n'y avait même pas de maladie, il n'y a pas les cancers, il n'y avait pas de tumeur, mais j'étais là. Alléluia. L'éternité est venue dans un corps appelé temps. Et je retourne à l'éternité. Qui peut m'empêcher de ressortir de ce corps? Personne ne peut m'empêcher. Parce que je viens de Dieu. Je retourne à Dieu. Je sais de quoi je parle. Oh, glorie, glorie, glorie. Tu regardes des choses qui arrivent dans ta vie. Tu es paralysé. Je dis non. Peu importe ce qui peut arriver dans ta vie. Tu es toi faire. Tu as été créé avant les problèmes. Tu étais avant les problèmes. Tu étais avant les problèmes. Tu étais avant Lucifer. Tu étais avant les chômages. Tu étais avant les cancers. Tu peux te tenir là et défier les cancers. Je peux attendre un amen. Je suis libre moi-même de créer une atmosphère spirituelle. Je peux attendre un alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin, je peux voir des athyroïdes? Athyroïdes a dit à Frère Branham. Alléluia. C'est la vérité, Frère Branham. Vous devez dire la même chose. Vous devez dire de bonnes choses. Parle des bonnes choses concernant ta famille, concernant tes enfants, concernant l'évangile, et de bonnes choses pour moi. Les sept honneurs, la perfection, l'enlèvement, le millénium, l'éternité, c'est de bonnes choses. Et quelqu'un doit dire aux ânes. Vous
t'asseoir. Dans Jean chapitre 1, il a prêché ce glorieux message. Dans Jean chapitre 2, Jean le Baptiste, il est dans son ministère. Les gens sont venus le voir. Qui dis-tu que tu es? Je ne suis pas le Messie. Mais tu es qui? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il marchait avec ses disciples. Glorieux. Dans Jean chapitre 3, après avoir prêché le glorieux mystère de l'éternité, avoir prêché le mystère de l'éternité, du commencement, Elohim et le Logos. Jésus revient dans Jean chapitre 3. Il y a un monsieur qui arrive, Nicodème. J'ai écouté beaucoup de mystères glorieux que tu as prêché. C'était si glorieux, merveilleux, puissant, l'éternité et le Logos. Jésus dit à cet homme, en dépit de tous ces mystères que tu as écoutés, comment vous étiez au commencement et avant le commencement? Vous étiez un homme esprit, une partie de Dieu. Mais toutes ces choses ne peuvent être réelles pour toi. Vous devez naître de nouveau. Adam est venu différent comme toi. Toi, tu es né du sexe. Et ces choses que je viens de prêcher, pour que tu puisses les comprendre et entrer en esprit de ces choses, vous devez naître de nouveau. Tous les ministres que Dieu a appelés, depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, après avoir attendu une révélation, que Dieu lui révèle quelque chose, la révélation a un but, d'amener les gens à la nouvelle naissance. Je lis avec vous ici Paul, serviteur de Dieu, qui est parti jusqu'au troisième ciel. Et l'église a écouté ce mystère glorieux. Et il dit, mes enfants, jusqu'à ce que Christ soit formé. De 1947 jusqu'à 1965, William Mario Branham, écoutez tous ces messages, l'impact de tous ces messages, le but de tous ces messages, ça a amené l'homme à la repentance, au baptême du Saint-Esprit, à la nouvelle naissance. Le Joseph Coleman, alléluia, les sept honneurs sont les sept voix de cet âge de l'église, l'arc-en-ciel. Et le but de tous ces messages, c'était d'amener l'église à une nouvelle naissance. Voilà pourquoi il avait des réunions avec des jeunes. Que vous avez écouté des merveilles choses. Vous devez vous repentir. Vous devez naître de nouveau. Le but de toutes ces conventions, jusqu'à Penaris 2011, c'était la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Oh, glorie! Vous devez naître de nouveau. Il n'y a qu'un seul corps, un seul baptême, un seul Dieu, un seul esprit. Naître dans le royaume de Dieu. Expérimenter Christ dans ta vie. C'est le but de tous ces mystères. Quand Dieu envoie un homme, il lui révèle le plan de la rédemption dans toute sa totalité. Et ce plan de la rédemption dans toute sa totalité est confiné comme étant la nouvelle naissance. Et ce même plan de la rédemption commence à se développer dans l'homme de gloire en gloire, de gloire en gloire. Montre-moi ta gloire. Je te mettrai sur les rocs et tu verras ma gloire. Il a commencé à déployer sa gloire. Dieu qui est riche à miséricorde, compatissant, lent à la colère, riche à bonté. Oh my God. Il a commencé à dévoiler le sept plans de la rédemption. Et Moïse a regardé. Qui suis-je, Seigneur, pour que je voie ta gloire? Et Jésus déclare, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée.
Vous vous asseoir. Soyez en esprit. Merci Seigneur. Oh glory. Oh glory. Frère, le but de tout ce message, c'est que les gens puissent avoir un contact avec Dieu. Là pour nous avons un réveil de 40 jours. Et dans ce réveil de 40 jours, que chacun puisse être en contact avec les surnaturels. Avoir une expérience du salut. Une expérience de la vertu puissance pour les services dans sa vie. Et il sait que quelque chose se passe dans ma vie. Pourquoi Dieu vous a convoqué? C'est une sainte convocation. Que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous soyez diacre, que vous soyez prédicateur, que vous soyez administrateur, que vous soyez conducteur de chant. Ça, c'est une expérience personnelle. C'est une sainte convocation. Où personne ne peut t'en dissuader. Aucun démon, aucun sorcier, aucun charlatan. Peut-vous penser Jésus-Christ, le Dieu du ciel, après avoir prêché dimanche passé sur l'éternité, le Logos, et deux dimanches après, il dit, tout ce que je vous ai prêché, le sang de cela, c'est la nouvelle naissance. La parole parlée la semence originelle. La parole est dans l'épouse. Et l'intelligence. Vous montrez à l'épouse. Amen. La parole est dans l'épouse. Mais donc, il y a une puissance qui doit vivifier. Vivifier. Pour rendre chaque parole réelle. L'amour doit être réel. Le pardon doit être réel. Le salut doit être réel. Ce n'est pas en marchant sur un terrain que tu ne maîtrises pas. Mais tu connais là où tu te trouves. Tu sais où tu te trouves. Amen. C'est dont nous prêchons. C'est au-delà que je suis dans le message, non. C'est au-delà. C'est une expérience personnelle. Et voilà, pour le ministère de Malachi 4 a impacté le monde. Le ministère apostolique a impacté le monde. C'était réveil après réveil. Convention après convention. Ce n'est pas une convention intellectuelle. Peu importe l'intellectualisme de tes messages, ça n'agira pas dans les gens. Il faut une expérience. Frère Bramé dit le succès d'une réunion, c'est quand les gens rentrent en Christ. C'est quand les gens expérimentent Dieu. Ils ont le salut de leur âme. Voilà pourquoi tu viens chaque mercredi ici. Voilà pourquoi tu es ici chaque dimanche. Pas pour suivre un homme, mais pour expérimenter Dieu. Pouvez-vous penser Jésus, le Seigneur de gloire? Tous les messages qu'il prêchait sortaient de lui-même. Il dit, je suis venu selon le rouleau de tout ce qui a été écrit de moi. Et chacun de vous vient selon le rouleau de ce qui a été écrit de lui. Et tout ce que tu dis, c'est ce qui est en toi. Tout ce que tu parleras doit sortir de toi-même. Ce n'est pas des brochures, mais ça sort de toi-même comme une digne réalité. C'est ça le tonnerre qui va secouer le monde. Qui va secouer Jeffersonville. Qui va secouer la Côte d'Ivoire. Ce sont des vies vécues. Je vous asseoir. Seigneur Dieu. Glory. Praise God, amen. Amen. Il a partagé avec nous sa propre vie. Oh glory. Merci Jésus. Merci Christ. Exposé de Satan de l'église. Malachi 4 dit. Amen. 340. En bref, exemple de l'histoire de l'église. Nous montrera combien ce que nous venons de voir est exact, le Moyen Âge. Les gens avaient presque entièrement perdu la parole. Entièrement perdu la parole. Et l'homme n'était plus le porte-parole de Dieu. Mais Dieu a envoyé Luther avec la parole. À l'époque, les Luthériens ont parlé de la part de Dieu. Mais ensuite, ils se sont organisés. Et de nouveau, la parole pure s'est perdue. Car l'organisation conduit au dogme et au credo. Dogme, c'est de réciter des choses que toi-même tu ne vis pas. C'est ce dogme, des dogmes, des credos, des rites.
preachers. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Il est grand où? Où qu'il soit grand, il doit être dans ta vie. Dieu est puissant, il est puissant. Sa puissance, c'est dans ta vie. Ce sont des dogmes, des créneaux. Ne pouvait plus parler de la part de Dieu. Alors Dieu a envoyé Wesley, qui était la voix porteuse de la parole pour son époque. Ceux qui ont accepté la révélation qu'ils avaient reçue de Dieu sont devenus des lettres vivantes. Oh, glory. Que tous les hommes de leur génération pouvaient lire et connaître. Ce sont des lettres. Rabbi me dit, un homme qui ne connaît pas lire la Bible, la seule chose que l'homme là doit voir, il voit un homme qui marche. Maintenant, il lit la Bible dans la vie de cet homme. Nous avons des mamans ici. Ils ne connaissent ni la Bible, ni la Bible, ni quoi que ce soit. La vraie Bible, il y a trois Bibles. Zodiac, pyramide. C'est des Bibles écrites. Il regardait dans les cieux pour voir les signes des temps. La pyramide d'Enoch, il pouvait lire. Et la Bible est dans la main des hommes. Et cette Bible doit se faire chair. Celui qui ne connaît pas lire la Bible, il voit la Bible marchant. Un homme est lent à la colère, riche à bonté, miséricordieux, tempérant. Dites-lui ce que tu veux, il est calme. C'est une Bible vivante. C'est ce que les gens veulent voir. Hosanna moi-même, je dis Hosanna ici moi-même. Je me crée moi-même mon atmosphère personnelle. On vous asseoir. Quand les méthodistes ont failli, Dieu a suscité d'autres. Et cela a continué au fil des temps, au fil des années, jusqu'à ce dernier jour. Frère, voici la promesse. Il y aura de nouveau un peuple dans le pays. Il y aura de nouveau un peuple à Côte d'Ivoire, au Ghana, Nigeria, Bénin, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Océanie. Il y aura de nouveau un peuple sur le pays qui, guidé par son messager, sera la voie finale dans l'âge final. Il sera la voie finale dans l'âge final. Vous vous asseoir. Oui, monsieur, vous vous asseoir. L'église n'est plus la porte-parole de Dieu. Elle est son propre porte-parole en elle-même. Dieu se retourne contre elle. Il la confondra au moyen du prophète et de l'épouse. Car la voix de Dieu sera en elle. C'est certain. Quand il est dit dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, au verset 17, l'esprit de l'épouse dit, viens. Oh, mais l'épouse sera la voix finale. Dans l'âge final, il y aura encore un peuple dans le pays qui n'est pas là en train de réciter des dogmes et des credos, qui est en train de croître dans un monde spirituel, qui connaît ce que Dieu, ce que Satan, qui connaît qui il est lui-même. Il aura de nouveau sur la terre, sur le pays, pas des embrouillés. Réécoutez cette bande qui se passe ce matin. Quand tu seras seul dans ta maison, ça va exploser ta vie. 340. Oh, il a crié. À ce dernier âge, vous avez la parole. Vous avez plus de Bible que jamais. Vous avez la parole. Vous avez des Bibles, toutes sortes de traditions de Bible. Qu'est-ce que les gens du message n'en ont pas? Ils ont des brochures, toutes sortes de brochures. Mais vous ne dites rien d'autre. Ne dites rien d'autre. Rien d'autre. De la parole. Que de la, disséquer. De la découper en morceaux. En y prenant ce qui vous convient.
ce que vous arrange. Ça, je ne peux pas dire ça. Parce que ça me condamne moi-même. Ça, je ne peux pas le prêcher. Non, 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 parce que ça me détruit moi-même. Que ça, que ça te détruit, que ça ne te détruit pas. Dites ce que disent les membres. Amen. En y prenant que ce qui vous convient et en laissant ce dont vous ne voulez pas. Vous avez des brochures, vous avez des cassettes. Quand ça te plaît, là, c'est là que tu mets l'accent. Ou quand tu vois que ça ne te que ça te détruit, tu ne peux pas mettre l'accent. C'est comme quelqu'un qui vit dans le péché. Il peut dévier tout sauf et toucher à ça. Un fils de Dieu réel, quand il vient à l'église, il dit: Seigneur, taille-moi, démolis tout ce qui est faux en moi, change-moi. Oh, alléluia, gloire, je ne veux pas ma vie, je veux ta vie. Je veux être conforme à ce que Dieu a dit. Tous nous faillissons. Il n'y a qu'un seul qui est infaillible. Et il est en train de nous ramener un peu dans l'infaillibilité. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout ce que tu fais, je le vois. Et étant marqué, tu seras dévoilé si tu ne te répands pas. Il prenait ce qui vous convient et à l'essence dont vous ne voulez pas. Ce n'est pas de vivre la parole qui vous intéresse, c'est de la discuter. Génération que nous vivons aujourd'hui dans le message, c'est une génération déjà qui aime seulement discuter mais pas vivre la parole de Dieu. Et Dieu vous conseille. J'aimerais mieux que vous soyez froid ou bouillant. Si vous étiez froid et que vous la rejetez, je la supporterai. Mais si vous brûlez de connaître la vérité de la parole et de la vie, je vous louerai pour cela. Mais quand vous vous contentez de prendre la parole et sans l'honorer, Dieu veut que les gens l'honorent. Dieu veut que son église l'aime. Mais quand vous contentez de l'apprendre ma parole sans l'honorer, je dois répondre en refusant de vous honorer. Je vous vomirai car vous me soulevez le cœur. Dieu veut que son église l'aime. Dieu veut que son église l'honore. Regardez, mais pour payer 20 000, tu as des problèmes. Tu ne veux pas honorer Dieu. Venir à temps, tu as des problèmes. Louer Dieu, tu as des problèmes. Mais quel est Dieu que tu veux adorer à ce moment? Dieu qui donne des instructions. C'est ce Dieu-là que je veux. J'ai fini bientôt. Jéhovah Jireh. Malachie 4 dit: ne serait-ce pas magnifique que toutes ces maris ici présents ce soir, affichant ce genre d'attitude? Ne serait-ce pas merveilleux si tout pouvait afficher ces pareilles attitudes? Ne doutez pas, si Dieu l'a dit, c'est réglé. C'est tout, c'est réglé. Si Dieu l'a dit, ça se confirme. Il est la voix finale. Si toute l'autorité
Il a toute l'autorité. Dieu a l'autorité suprême sur tout. Et Dieu associe son épouse à cette autorité. Là, pourquoi cette épouse sera la voix finale pour l'âge final. La voix finale, l'âge final, c'est que c'est un peuple avec une autorité surnaturelle. Commandant les démons, démolissant l'enfer. Glory. Yes, sir. Charité, la parole, Père des Fédérés, mon frère Coleman. Frère. Brother Coleman. Brethren. Et vous vous sentez bien, n'est-ce pas, ce matin? Regarde. Look. Quand une femme veut accoucher, il y a trois choses. Il y a les sangs, il y a l'eau et un être qui sort. Quand l'être la sort, il y a un esprit qui vient. Est-ce juste? Est-ce juste? Ce sont ces trois étapes de la naissance. Of the birth. Amen. Amen. Glory. Dans l'Ancien Testament, il y avait le lieu, le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Trois étapes. Three stages. Gloire. Glory. Premier poule, deuxième poule, troisième poule. Ce sont des étapes. Ces étapes sont connectées avec l'homme. Un enfant est né, un enfant grandit jusqu'à ce qu'il sera mature. Glory. Vous êtes sanctifié par le message. C'est merveilleux. Tout le monde est dans le message aujourd'hui. Amen. Mais dans les lieux très saints se trouve le Saint-Esprit lui-même. C'est là où vous voulez aller. Glory. Glory. Même quand la vérité puissance descend dans ta vie, tu n'es pas encore arrivé là où tu dois arriver. Mais lorsque la vertu puissance achèvera son œuvre, my God, my Lord, la charité descendra comme étant la charité. Et là, il y a l'esprit immortel qui va rentrer dans ta vie. Alléluia. Trois sortes de croyants. Malachie 4 dit, il y aura un glorieux, merveilleux, baptême du Saint-Esprit. Là où se trouve la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. Ça, c'est l'esprit immortel. Et alors, tu es monté sur la montagne de la transfiguration. Écoutez-les. En ce moment-là, toi et le Père, vous devenez un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Il y aura une telle puissance dans l'église. Il y aura une persécution. Il y aura une persécution. Mais ne vous en faites pas. La persécution ne fera rien. C'est là que vous verrez ce qui a toujours été en toi. La gloire qui est en toi va sortir. C'est là que le véritable, authentique, glorieux, merveilleux baptême de feu, l'adoption, de remplissage en remplissage, de baptême en baptême, de baptême en baptême, jusqu'à ce qu'il y aura un point culminant. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi. Ça, c'est ce qui vient bientôt. Ça vient bientôt. C'est à la porte. C'est à la porte. Vous serez comme Dieu. Vous aurez la même autorité. Vous allez créer. Ne te décourage pas. Tu retournes. Tu es en train d'aller croiser ma chrétienne. Il vous arrive de vous poser des questions. Sometimes you are wondering. Je lis les brochures. I read the books. Je lis le message. I read the message. J'ai vu beaucoup de choses que Frère Ben a fait. I've seen anything that c'est parce que nous t'avons autorisé de lire les brochures que tu dis ça. Il y a certaines choses que Malachi 4 a fait que tu ne peux pas le faire maintenant. Lui, pour qu'il arrive à le faire, il est né. Quand il est né, il était testé. Quand il était testé, il était éprouvé, châtié.
jusqu'à ce qu'il avait arrivé dans l'endroit de toute la foi. Dit amen, jeunes gens. Oh, alléluia. Vous allez y arriver. Vous allez arriver. Et je vous déclare ce matin que c'est l'un de ces jours. Je te demande ce matin qu'il n'y ait rien contre toi. Il n'y a rien contre toi. Et dans ton cœur, tu n'as rien contre quelqu'un. La vertu puissante, c'est un baptême. C'est une expérience. Ça secoue les gens par terre. Les gens roulent par terre. Ils sont sous l'effet d'une puissance. Et un être est en train de croître en eux. Mais tout au long du chemin, il y a des fautes, il y a des manquements que vous avez fait. Et quand Dieu vous regarde, il regarde sa sémence. Regarde sa sémence. Et quand toi tu regardes aussi ta soeur, tu regardes la sémence, tu lui demandes pardon. Quand tu regardes ton frère, tu regardes la sémence. Il est écrit dans la prédication de la fête des trompettes qu'il y a trois messagers. Élie, Moïse, et Malachi 4. Élie et Moïse, Elijah and Moses, vont aller vers Israël. They will go to Israel. Avec quel message? Le septième sceau. L'expiation. The seventh seal. Et Malachi 4 vient avec l'expiation. Is also l'expiation with the atonement. Vous garde vivant. Keep you alive. Keeps you alive. Les catholiques, c'est Catholic, des menteurs. They are liars. Ils ont pris la réalité pour le mettre à une certaine rétrogradation des mensonges qu'ils ne peuvent jamais vivre, des péchés futurs. En réalité, là où il y a l'expiation, même les péchés que tu feras demain sont déjà pardonnés. Donc quand Dieu lui te regarde, lui te voit parfait et saint, parce qu'il y a le sang. Le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas un sang qui pardonne aujourd'hui, demain il regarde encore, il aurait péché, il vient, il pardonne encore, il vient, il pardonne. Non. Voilà pourquoi Abraham, tout au long de sa vie, quand l'apôtre Paul l'a regardé, il dit qu'il n'y a rien de mal. Quand je vois William Arrow Branham, il n'y a rien de mal. Fred Coleman, il n'y a rien de mal. Quand toi tu me regardes, il n'y a rien de mal. Alléluia. Mais à combien plus fort de raison Dieu? Alléluia. C'est une expiation permanente tout au long de ta vie sur la terre. Quand ton frère va faire un péché, tu as des mal à le pardonner. You mais quand son créateur le regarde, il ne voit rien parce qu'il a déjà. Est-ce que vous avez vu, vous avez lu dans la Bible où il est dit, vous êtes guéri? C'est faux. Stripes, c'est pas écrit. Donc vous mentez. Vous avez déjà. You were already healed. Déjà été. Ce n'est pas maintenant. Maintenant tu réclames ta guérison, la matérialisation. Vous avez déjà été pardonné. Pourquoi tu condamnes ton frère? Pourquoi tu condamnes ta soeur? C'est parce que tu es charnel. Rentre en esprit. Tu verras qu'il a déjà été pardonné. Et toi tu vas, c'est ma frère. Peu importe ce que tu m'as fait, je te pardonne. Tu es une partie de moi.
Je ne peux jamais avoir de rancune dans mon cœur. Parce que quand Yahvé Jésus-Christ te regarde, tu as déjà été. Tu as déjà été guéri. Oh, tu as le cancer, c'est maintenant que Dieu ne te guérit pas maintenant. Il t'a guéri, ça fait longtemps. Maintenant, tu es dans l'âge de réclamer ta guérison. C'est tout, tu réclames, tu matérialises ta guérison. Tu es en train de matérialiser ton salut. Ce n'est pas maintenant que Jésus m'a sauvé. Il m'a déjà. Est-ce que quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est là que Dieu te sauve? Non! Il t'a déjà sauvé. Mais le Saint-Esprit vient pour confirmer ton salut, confirmer ta guérison, confirmer ton pardon. Praise. Je n'entends pas un alléluia quelque part. Hosanna. C'est une expiation permanente. Pensez un peu Dieu. Un frère marche. When the brother is walking, il commet l'impudicité. Dieu appelle ses anges. Ça m'étonne de voir ce frère. Je ne sais pas ce qui se passe. It's amazing that this problem, what is happening. Ça, c'est le Dieu de Baal. This is the God of ce n'est pas le créateur des cieux et de la terre. He's not the creator of heaven, heaven and earth. C'est cela la préconnaissance. This is the pre-knowledge. Mais dans sa préconnaissance, il y a le sang. There's the blood. Amen. Attends maintenant. C'est l'expiation qui est là. That is there. Maintenant, il appelle ses fils. He calls his qui était avant le diable. You were before the devil. Il les place sur la terre. He places it. Et il prend sa nature, il les met en eux. And he takes il dit, vous me voyez comment je faisais, c'est ce que vous ferez. Quand un frère fait quelque chose de problème, il dit, non, il n'y a rien, frère. Non, il n'y a rien. Tu ne m'as pas offensé. Tu ne m'as rien fait du mal. Tu es mon frère. Tu es une partie de moi. Voilà les fils parlant, parler. Voilà de quoi nous parlons. Voilà de rejeter. Il n'y a même pas de rancune. Voyez le frère faire quelque chose, tu commences à te dire, mais pourquoi tu as fait ça? You start saying, why tu es impoli. You are impolite. Tu ne sais même pas que je suis ton grand frère. You don't even know that I'm your tu ne me respectes pas. You don't respect me. Attends d'abord, je vais prendre le temps de prier. Wait, I want to take pour voir si je pourrais régler cette affaire. If I can settle down that case. Settle up that case. Ton mari fait quelque chose de mal. Your husband do something wrong. Tu ne peux pas pardonner. You ta femme fait quelque chose. Him. Tu as des likewise, problèmes. Your wife, tes enfants font quelque chose. Your tu as des problèmes. You have mais regarde, Dieu lui-même, lorsque tu fais des choses de force, wrong, il a mis une expiation là an qui est permanente. A permanent atonement. C'est-à-dire qu'il t'a pardonné des péchés passés, des péchés futurs. Je n'attends pas un amen. Même ce que tu n'as même pas encore fait, even what you have il a déjà pardonné. Done, he has already forgiven you. Et lorsque cette révélation va rentrer dans ton cœur, et regarde dans le livre des psaumes, il est écrit, je suis l'Éternel qui vous pardonne toutes et qui vous guérit de toutes vos maladies. Cela doit faire crier un baptiste, frère. Baptism, le rancune, le ceci, nous mettons dans la main de Satan.
Depuis que j'ai expérimenté Dieu en 1992, il n'y a pas quelque chose que quelqu'un peut me faire, que je vais me préoccuper. Jamais, jamais dans la vie, je sais où je me tiens. Alléluia. J'ai eu une expérience à Penaris en 2009. C'était une présence comme si j'étais en train de quitter mon corps. Oh my God. C'était surnaturel à Penaris 2009. Glory, glory. Oh, glory, glory. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Glory at us. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Est-ce que vous sentez bien? Oh, praise God, amen. Hallelujah. Je vais finir. Frère, bravo. Vous asseoir. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous avez été créé? Do you understand why you have been created? Pas simplement pour aller dans les salles de l'église. Not only to go in the et puis mourir. Then, vous avez été créé pour être dans les arcs-en-ciel. You have been created to be in the rainbows et manifester. And manifested. Et se tenir sur cette terre avec la plénitude de l'adoption. With the fullness of adoption, la parole parlée, the la condition word, de les dead. The hidden condition. Voilà pourquoi Dieu vous a fait. God created you. Il vous a pris comme une personne spéciale. He created you pour as se tenir sur cette terre. Pour le glorifier. To glorify gloire him. À Dieu. Glory be to pour God. Aller après les perdus. Avec la parole parlée de Dieu. With the pour parler of la God parole. To speak the word. Les infirmes qui marchent, les aveugles qui the voient. Who walk, the voilà pourquoi. Vous êtes ici. Non pas venir ici dormir sans louer le Seigneur. Une petite bataille d'esprit qui vous abat. Un petit promesse à t'abat. Petite maladie. Je ne peux pas venir à l'église. I can come to church. Un problème avec une sœur. A problem with a sister. Je ne mettrai pied plus dans cette église-là. Est-ce que c'est la sœur que tu as choisie ou bien tu as choisi très bon? Vous n'avez pas choisi ici aucun prédicateur qui soit votre pasteur. C'est moi que vous avez choisi. Même si tu as un problème avec une sœur. Oh non, je ne mets plus pied dans l'église-là. Non. No. Tu ne viens pas ici à cause d'un frère. You are not coming here because tu ne viens pas ici à cause d'une sœur. Tu viens ici à cause de moi. Parce que je lâche. Je lâche. Je lâche. Et lâche sur le trône. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche et dire amen? Que la sœur te critique, que le frère te critique, tu ne viens pas ici à cause de lui. Oh, glory. Oh, gloire. Amen. Amen. Ceci est l'heure. Vous ne vous préoccupez pas d'un frère. Where you don't mind any brother. Oh non, si frère Paul ne parle pas parce qu'il est, if, il est d'accord avec les frères. Il est d'accord avec la sœur. Paul is not speaking because he agreed. Non, je n'ai envoyé personne pour qu'il soit mon porte-parole. I did not send anybody to be my. Je suis moi-même mon propre porte-parole. My spokesman. Si je dis quelque chose, c'est que je le dis ici à la chaîne. Et n'interprétez pas ce que je n'ai pas dit. Et je parle les paroles de Dieu Jésus-Christ au temps présent. Je sais que vous avez faim quelque part, vous allez manger, mais serez vos sétis quelques minutes. Alléluia. Que ce soit la sœur. Que ce soit le frère, vous deux, vous n'avez qu'un seul père. Et frère Branham dit, votre pasteur, c'est votre réel père.
Your pastor is your true father. For any petit battle d'esprit, ça t'abat. A little mind battle, you are blown. Tu commets une erreur dans ta vie, tu prends un temps. You made a mistake in your life. Tu restes à la maison. Life, you take time home. Il y a une sœur qui a épousé un frère. There is a sister who la sœur était tellement spirituelle. Le frère était so spiritual, un nouveau croyant. And the brother was la sœur a new believer. And the sister said to the brother, if it happened to do something wrong in your life, listen what I'm saying. Ça fait 30 ans que je suis dans cette affaire. It is 30 years. Toi, ça fait 2 ans, 3 ans que tu dis que tu es croyant. In this thing, si in this now 2 or 3 years that you are a believer, if you do something wrong, don't stay out of the house. Come. Je vais t'aider dans la prière. I will help you in the prayer. Peu importe ce que tu peux faire dans ta vie. No matter what you can do in your life. Viens. Come. Combien de gens ici dans cette église? How many people here in this? Ils ont fait des choses qui sont sales. They did dirty things. Mais quand ils sont venus me voir, but when they came, je leur ai dit, je vais prier pour toi. I told them I will pray for you. Je vais t'aider. I will help you. J'ai prié avec. On prie avec les gens. Mais vous ne connaissez rien et vous ne connaîtrez pas ce qu'ils ont fait. Même pas leur nom. Parce que je suis leur père. Comme je suis ton père. Dis ta mère. Parce qu'un pasteur, c'est un bœuf dans tel âge. Il ne peut jamais dire le péché de qui que ce soit, qui que ce soit. Parce que c'est un bœuf dans tel âge. Dis ta mère, jeune gens. Dis ta mère, église. Quelqu'un peut tirer au sein. Let somebody say Hosanna. Vous asseoir. Est-ce juste? Nous avons un message. Is it true? Nous savons où nous allons. We know where frère, we nous avons un message. We have a message. Et nous savons où nous allons. And we know where we are heading to. Nous savons ce qui est le quatrième saut à prêter. What the fourth seal has. Nous savons ce que la bête est prête à faire. This is about to do. Nous savons tout. No, all things. Nous avons reçu la préconnaissance dans nos cœurs. We have received the foreknowledge in nous our heart. Tout. We know all things. Nous savons ce qui va arriver. Nous savons ce qui se passe en nous. Nous savons ce que nous attendons. We know what we are waiting for. Et nous savons qui nous sommes. And we know who we are. Et nous savons ce que nous allons avoir. And we know what we will get. Et nous savons où nous allons. And we know where we are going to. Voici Malachi 4. Yes, Malachi l'adoption 29. Dites-moi mon frère. Dites-moi ma sœur. Qu'y a-t-il un temps où le Fils de Dieu devait être manifesté? Where the Son of God has to be manifested? Maintenant, toutes choses now, ont été amenées. Elles arrivent, elles prennent forme vers une pierre précise, vers la manifestation des fils de Dieu. Alors, qui reviendront? Mais ces fils de Dieu reviendront. Comment reviennent-ils? Vous allez le comprendre. Comment reviennent-ils? Ils sont nés. Comment reviennent-ils? Ils sont nés. Comment reviennent-ils? Ils ont reçu la vertu puissance dans leur vie. C'est leur vie. Comment reviennent-ils? La vertu puissance va atteindre son but. Scellé, testé. Les fils de Dieu reviennent. Comment reviennent-ils? C'est des fils nés. Des fils testés. Des fils éprouvés. Des fils châtiés. Comment reviennent-ils? Ces fils qui reviennent. Amen, jeunes gens. Amen, young people. Amen, frère Hervé. Amen, brother. Oh, comment reviennent-ils? How are they coming back? Ils reviennent par l'inspiration d'Elohim. They're coming through the inspiration. Jésus l'a prêché dans Jean 1:1. Jesus preached in John 1:1. C'est l'apostolique qui l'a prêché en 1981. Preach it in 81, 82. Comment reviennent-ils? How are they coming? Ils reviennent. They are coming. Par les sept arcs-en-ciel d'Elohim. Through the seven rainbows of Elohim. Amen. Amen. C'est de là qu'ils viennent. This is where ils sont they're coming nés. To. They are born. Nés. They are born. La foi est une foi réelle. And the faith is a real. Une vertu réelle.
Ils sont dans leur endroit de preuve. Ils sont testés dans la partie A. They have been ils sont testés, éprouvés, châtiés. Dans la troisième phase, partie A, ils sont testés, ils sont éprouvés dans l'endroit des preuves et ils sont prêts à manifester la partie B. Comment reviennent-ils? Ce sont des filles qui ont été secouées comme un arbre qui est ballotté. Non, quand les vents le secouent, il est enraciné. Il y a un autre homme à l'intérieur d'eux qui est en train de croître. Qui est en train de croître. Qui est en train de croître. Oh, glorie. Qu'est-ce que nous devons prêcher maintenant? Nous devons prêcher deux choses. Les deux esprits vont chevaucher. Nous prêchons les promesses de l'adoption. Et nous prêchons la vertu puissante pour le service. Je n'entends pas un amen. Je n'attends pas un amen. Qu'est-ce que nous devons prêcher maintenant? Nous devons prêcher la foi au temps présent, la vertu puissante pour le service, et la foi voit l'adoption. Ça va chevaucher dans nos prédications pendant tous ces temps. In our preaching throughout these times. Bravo. Ils reviennent d'une façon si parfaite. In such que l'esprit qui était en Jésus-Christ entrera dans ces hommes-là. À ce moment-là, ce ne sera pas la vertu puissance pour le service. La charité vient comme étant la charité. Oh, alléluia. Ce sera le ministère qui est entre la pierre de fête, qui est le corps céleste de Jésus, et cet espace qui est le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. L'Esprit de Dieu entrera dans ces gens. Que leur ministère sera tellement semblable au ministère de Christ, à point de les unir ensemble. Oh, praise God. Est-ce que vous me suivez maintenant? Qu'est-ce que vous attendez? Frère Coleman, qu'est-ce que vous attendez? J'entends le ministère de l'Esprit qui fera de Christ et moi un. Et vous attendez la même chose, le ministère de l'Esprit. Et je dois le prêcher aujourd'hui afin qu'il puisse venir. Parce que si je ne le prêche pas, moi, pas, ça ne viendra pas. Ça doit sortir des brochures. Frère, vous avez été appelé depuis 1963 pour former la pierre de fête. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Vous êtes scellé maintenant. Je vous montre comment il descend sur vous. Comment il descend sur vous? Hein? Un saut se voit de deux côtés. Que voulez-vous dire? Où vous venez, voyez-vous? Il voit les sauts de la même façon. Lorsque un homme ou une femme possède ceci, alors la pierre de fête descend et les saints dans le royaume de Dieu qui est le Saint-Esprit. Ensuite, la parole qui vient ici se manifeste à travers les saints et fait un tabernacle du Dieu vivant. Un exemple marchant et vivant du christianisme. Regardez ce que ces gens sont, parce que sa vie est là. Ils sont en Christ et leur vie est morte et cachée en Christ à travers de Dieu. Et ce n'est pas le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, vous considérez comme mort. Ceci est la révélation. Comment le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est la charité, qui vient comme étant la charité, viendra en toi. C'est quand il y a la foi, une foi vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une vie de Jésus-Christ en toi. Alors vous serez magnétisé. Est-ce que je prêche moi-même? Je peux avoir des gens qui prêchent avec moi ici? Que vous compreniez, que vous ne compreniez pas, vous devez dire amen. J'ai des gens ici dans l'église, même si je ne suis pas là, ils vont faire l'écho. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen, frère Étienne. Amen, les jeunes gens. Vous allez faire l'écho de ce que je prêche. Nous sommes en train de prêcher deux choses: le ministère de l'Esprit, comme étant la vertu et l'adoption. Hallelujah.
Quand Dieu verra dans la sœur, then when God will see in the sister, patiente, a patience, plein de maîtrise, full of miséricorde, full of un frère plein de patience, de miséricorde, a brother full of patience. Il a déjà atteint ses trois phases. Il est appelé dans sa troisième phase partie. He has reached his three phases. Peu importe ce que les gens disent de lui. Third phase, part il est souriant, il est aimable. Alors c'est ce qui va attirer. This is cet esprit qui sera magnétisé that spirit, that et alors une voix sortira de ton cœur, pas d'un frère, pas d'une sœur, de toi-même. Écoutez-le. Le signe. Remarquez, ils ne s'étaient pas rassemblés simplement pour parler du message. They were not gathered only to ils s'étaient rassemblés pour appliquer le sang, pour appliquer le signe, to apply the blood, to apply the token. C'est ce que vous devez faire. This is what you need. Ne vous contentez pas de vous réunir. Don't just en disant je crois, je crois, je crois. Say, mettez-vous dessus. Entrez-y. Cherchez une expérience dans vos maisons, dans vos maisons. Priez, priez, priez. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut sauter, crier, danser avec frère Cyril? Je ne te dis pas de prier, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Non, je dis, est-ce que quelqu'un peut crier, sauter? Parce que je vous ai donné le plan de la rédemption. Dans ta maison, partout, tu te mettras à genoux jusqu'à ce que pendant ces 40 jours, quelque chose se passe dans ta vie. Tu peux tourner, saluer ton frère, saluer ta soeur. He's a mighty one of Israel. He's a mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of his word. He's a mighty one of Israel. He's a mighty one of Israel. He's a mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of his word. He's a mighty one of Israel. Il est le tout puissant Dieu d'Israël. Il est le tout puissant Dieu d'Israël. Sa voix tonnera dans la puissance de sa part. Il est le. Là vous devenez le conducteur des chants. Il est. Laissez-moi vous entendre. Il est le. Il est le tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant Dieu d'Israël. Sa voix tonnera dans la puissance de sa voix. Il est le tout puissant Dieu d'Israël. Yeah, yeah. Il est le tout puissant Dieu d'Israël. Il est le tout puissant Dieu d'Israël. Nous allons lui donner une adoration juive là. Donne-moi le sec, donne-moi le sec. Donne-moi le sec autour de la gloire de la Shekinah. Il est le tout puissant Dieu dit. Oui, il est le tout puissant Dieu dit. Yeah. Sa voix tonnera dans la puissance de sa voix. Il est le tout puissant Dieu dit. Yeah. Il est le tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant Dieu dit. Sa voix tonne dans la puissance. Il est le tout puissant Dieu dit. Donne-lui une offrande d'acclamation. N'arrêtez pas le sec, n'arrêtez pas le sec. C'est le sec de l'éternité.
sanctuaire d'Israël. Sa voix en œuvre dans la puissance de sa part. Il est le tout-puissant Dieu dit. Yeah. Il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Sa voix donne dans la puissance de sa parole. Il est le tout-puissant. Donne-lui les cris de louange. Je sens l'odeur de la rose de Sharon dans le bâtiment. Et il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Sa voix donnera dans la puissance de sa. Il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Oui, oui, c'est le tout-puissant Dieu d'Israël. Il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Sa voix donnera dans la puissance de sa part. Il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Donne-lui un cri de louange. Donne-lui un hosanna. Donne-lui un hosanna. Donne-lui un alléluia. Donne-lui un gloire à Dieu. Est-ce que vous l'aimez? Praise God, amen, alléluia. La tête baissée. Your grace. I'm nothing without your grace. Your grace shine. Your grace. Your grace. Your grace. I'm nothing. Nous voulons te remercier, te témoigner notre reconnaissance, Seigneur Jésus-Christ, pour ta parole, Seigneur, pour l'excellence de la révélation, Seigneur, pour la façon dont tu as illuminé les yeux de notre cœur, Seigneur, pour la façon dont, Seigneur, tu t'es révélé à chacun de nous en ce jour. Nous te bénissons, grand Dieu.
Nous te remercions, Père. Donne-nous la force, Seigneur Jésus-Christ, de tenir ferme, Seigneur. De nous accrocher à ces choses, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Bénis la parole qui a été prêchée dans notre vie, Seigneur. Bénis la richement et qu'elle porte du fruit, Seigneur. À la louange et à la gloire de son Seigneur. Lorsque la bénédiction qui est attachée à cette parole, Seigneur Jésus-Christ, s'attache à chaque cœur qui l'a reçu, Jésus-Christ. Et que cela puisse être vivifié dans chaque cœur, Seigneur. Bénis ton serviteur. Loin-le, Seigneur Jésus-Christ. Parfume sa vie de ta présence, Seigneur. De la gloire de la Shekinah, de l'onction suprême de la divinité, qu'elle repose dans sa vie et sur sa famille, Seigneur. Bénis-le richement, donne-lui du repos, Seigneur. Redonne-lui de la force. Nous prions et demandons cette bénédiction en retour. Dans le nom de Jésus-Christ, toute gloire, tout honneur te soit rendu à toi seul pour des siècles dans le nom de Jésus-Christ. Que les rachetés puissent dire. Dieu bénisse. Amen. Amen. Notre réunion s'achève. Our meeting is over.